Un petit problème avec les Onobus La et les MPT vrilles. était déconnectée, et la communication avec les colons lunaires fut perdue. Sans ressources terrestres pour lancer une opération de sauvetage à grande échelle sur la Lune, la World Space Agency fut dissoute en 2055. Mais un petit groupe d'anciens colons de la WSA refusa d'accepter le sombre avenir qui attendait l'humanité. Déterminés à découvrir ce qui était arrivé à la colonie et à restaurer la MPT, ils préparèrent leur mission sur un site de lancement abandonné dans le désert. Aujourd'hui, en 2059, ils sont enfin prêts à envoyer un astronaute sur la Lune. C'est moi. Nul ne sait ce qui l'attendra là-haut. Mais ses ordres sont clairs. Livrez-nous la Lune. Ok. Nice to die, go far away, to know why to die. Ok. Alors, je ne connais pas du tout ce jeu, mais quand j'ai vu les extraits, je me suis dit, oh, là, ça va être intéressant. Elle est vraiment bien foutue en plus. Donc, on va voir ça. Partout dans le monde, les familles et amis des colons lunaires disparus se rassemblent ce soir pour se souvenir de la culture générale de 2054. Ayant entraîné une coupure d'énergie mondiale et la perte de contact avec la Lune. La coupure générale a provoqué un bouleversement mondial et a conduit un an plus tard à la fermeture de la World Space Agency. Dans le reste de l'actualité, l'apparition de la plus grande tempête de poussière à ce jour a forcé les climatologues à revoir leurs prévisions sur la vitesse de la croissance du désert équatorial. À cause de cette nouvelle tempête, le désert pourrait bientôt couvrir 30% de la masse terrestre. Plusieurs gouvernements ont promis d'aider les réfugiés malgré leur faim. Ok. La tempête de poussière devrait toucher... Bon, moi, je me dis, il va être franchement pas mal. ...et le 50e parallèle nord d'ici la fin de l'après-midi. Et frapper l'ancienne station terrestre MPT de la World Space Agency située dans le désert d'Akiro. Les autorités ont... On va voir ce que ça donne. Les températures dans les pays au nord du désert équatorial devraient atteindre les 46 degrés Celsius. C'était Nicole Peck pour World News One le 16 septembre 2059. Passez une bonne journée en sécurité. Ok. On va voir ce que ça donne parce que moi je l'ai acheté il y a 2-3 jours. Et ça a l'air vraiment pas mal. En plus, c'est tout que j'aime bien. Hein, forcément. Fortuna, vous êtes là? Oui, ouais, en plus. Fortuna. Et le pire, c'est que le mec dedans, il s'appelle Fortuna One, ou c'est une femme, vous savez. Et moi, mon pseudo, c'est Galaxy One. C'est quand même curieux, hein. Allez, saisir. Oh, quand même. Contrôle sol à Fortuna One, ici Claire. Veuillez confirmer le contact radio. Oui, alors attention, comment il faut faire? Oui, confirmé, ouais. Contact radio confirmé. Rendez-vous sur la plateforme de lancement et amorcez la fusée pour le décollage. Nous devons la lancer avant la tempête de sable. D'accord. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. Là, on est sur PS4 normal, hein. Il m'intrigue vraiment ce jeu parce qu'il a l'air vraiment pas mal. Bon, j'ai vu quelques extraits sur YouTube, j'ai pas trop regardé. Mais je suis dit, pour un jeu comme ça, ouh, ça a l'air vraiment pas mal. Allez, c'est parti. 2059. La voilà, Taurus 5. Il nous aura fallu 4 ans pour la préparer au lancement. Mais vous devez vous dépêcher, la tempête de poussière frappera cette zone dans quelques heures. Si nous ne réussissons pas maintenant, la mission Fortuna sera terminée pour de bon. On peut courir, heureusement. Ah. Ok. Bon. Allez,
des trucs à scanner là. Ah, ça a l'air vraiment super super cool. Ok. Ouais, d'accord. Voilà. Là, il faudra faire décoller la fusée. Ça va être super beau. C'est tout ce qu'il y a pour l'instant. Ah. Il n'y a rien d'autre. Ok. Apparemment non. Bon. Ah, Spoutnik. 1957. Il y a eu mieux, hein, les Allemands. Hein. 1942. Premier homme qui est parti sur la Lune. Ouais, mais ça, on va pas vous le dire, hein, évidemment. Ok. Il y a quoi là-dedans? Il y a rien. Ah, c'est propre, hein. Des belles couleurs, j'aime bien. C'est soigné. C'est pas mal. Oh, c'est le stress total là, pour monter sur dans la fusée. Oui, donc c'est une femme. Hein. C'est pas un homme, hein, je ne pense pas. Enfin, si j'ai bien compris. Alors. Ok. Dernier étage. Vous pourrez y amorcer la fusée pour le décollage. Ah, ça va être beau. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas reçu de transmission d'énergie à micro-ondes en provenance de la colonie lunaire. Au début, personne ne pensait qu'il serait possible de transmettre de l'énergie de la Lune à la Terre. Mais la WSA a fait taire les sceptiques. Et vous ferez de même, en reconnectant la MPT. Ah, j'aime bien, c'est beau, c'est propre. Ok. Oh bah. Ah. Ouais, il y a le code, sûrement. Ok, 3, 5, 4, 8. Ok. Ah, j'aime bien les trucs comme ça. Faisait autrefois partie de la WSA. Mais nous y vivons maintenant depuis plusieurs années. J'arrive toujours pas à croire que nous allons bientôt partir pour de bon. La désertification de toute cette région ne prendra pas bien longtemps après le passage de la tempête. Ok. Donc là... Ah, on a douté.
2054, Blackout. Putain, on dirait un livre de Andreas. Super propre. Ça, c'est des jeux qui m'intéressent. Il faut que ça serve de faire sa agence. Ah! Ok. Ah, 2001, date de naissance. D'accord, date de naissance 2001. Alors, Michine, en 1980, j'ai déjà un grand écart. Ah, j'aime bien, c'est propre en plus. Mais pour une PS4 normale, c'est vraiment propre. C'est... franchement... rétablir la connexion, d'accord. Ok. Ah ouais. Ah, c'est propre. Alors... ouais... nous sommes rencontrés il y a quelques années dans la station spatiale. Person, j'ai été licencié après à peine la panne du cryosommeil, hein, cryogénisation de Huygens. Vous vous souvenez de l'unité assez endommagée, hein, je cherche. Hein. Alors, 2054. Ça va être pas mal, je pense. Mémoire. Ok, bah oui. Oh, oh. Ah, c'est Pearl. Oh, c'est joli tout ça. J'aime bien, c'est propre. C'est pas mal. Ok, on va regarder ce qu'il faut faire. De toute façon, il faut remonter dans la fusée, donc bon. Oh, c'est sombre. Hein. Ah, une cantine. Ah, j'aime bien parce que c'est propre. Il n'y a rien là-dedans. Ok. Bon. Je fais le tour quand même. Hein. De la station spatiale Pearson. Claire, vous voilà.
Venez, en fait, ça à côté. Tout le monde vous cherche. Je dois revoir ça une dernière fois, Maria. On a déjà tout passé en revue, plusieurs fois. Ouais, c'est la grande coupure générale. Bon, déjà, ça se passe... C'est l'heure de faire la fête, ce sera pas long. En ce moment, 2059. Une vraie Johansson. Quand il avait quelque chose en tête, j'étais incapable de l'en dissuader. Vous êtes aussi têtu que votre père. Oh, probablement la seule chose que nous avions en commun. J'arrive simplement pas à comprendre pourquoi il a pas rétabli la connexion MPT. C'est quand même lui qui l'a inventé. Et maintenant, il n'y a plus que nous. Personne d'autre n'essaie de faire quelque chose. Si nous échouons, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit. Si c'est faisable, alors on va le faire. C'est la seule chose qui doit compter pour nous. Relisez vos notes et rejoignez-nous quand vous serez prête. Bref, les causes de la coupure générale. La deuxième pourrait être une des tours du réseau. Ok. Donc il y a une des... Oh. Bien. Oh, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Fortuna. Le plus rigolo, c'est que ça s'appelle... son nom, après, c'est Fortuna One. Et moi, sur ma page, c'est Galaxy One. Hein, c'est... Bon, bref. Il n'y a rien, d'accord. Donc, c'est au-dessus. Ah, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça change complètement. Ça a l'air vraiment pas mal. Ouais. Centre de contrôle. Bien. Vous êtes dans le centre de contrôle. Préparez la fusée pour le décollage aussi vite que possible. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah! Nouveau calcul de l'heure d'arrivée de la tempête. Claire, on a un problème. La tempête approche plus rapidement que prévu. Beaucoup plus. Le temps presse. Continuez, Fortuna. Oh. Nous y travaillons depuis trop longtemps pour abandonner maintenant. Ok, mais sûrement des trucs à faire. Ben voilà. Ça marche pas. On a un truc là. Ça va? Voilà. Alors après. Ah oui, il est d'accord. Ça, je l'avais vu. Ok, ça, j'ai vu un petit peu sur internet. Ah ouais, maintenant, tu fais comment pour descendre là? Oh, j'aime bien, franchement j'aime bien. C'est vraiment pas mal. Alors, je pense qu'il faut prendre l'échelle, j'avais un petit, vu un petit peu ça. Alors on fait le tour, il n'y a rien. Ok.
Ah. Ah, ça doit être ça. Alors vite. J'espère que c'est ça. Hein. Ouais. Ça a l'air. Ah, vite alors. Qu'est-ce que je fais là? Vite! Voilà, bienvenue dans la fusée. Système de navigation de la fusée connecté. Nous y sommes presque. Allez, comme à l'entraînement, vous pouvez y arriver. Initialisation de la procédure de décollage. De lancement au sol initialisé. Ouais, d'accord. Retrait de la passerelle d'accès orbital en cours. Faites un peu plus attention. Parfait, exactement comme à l'entraînement. Ah non. A1. A1. Oh putain, eh oh, A3. D'alimentation auxiliaire. Ok. Retrait de la conduite de ventilation d'oxygène gazeux en cours. Passerelle de ventilation en place. Système d'atténuation du bruit activé. Ouais. Propulseur de la fusée prêt à être allumé. En attente du compte à rebours. Allumage du propulseur de la fusée. Moteur paré dans 5, 4, 3, 2, démarrage du moteur principal. C'est parti, mon kiki. Décollage réussi. Oh putain, ça y est, je suis parti là. Oh que c'est beau. Oh, c'est magnifique. Fortuna One. Et moi c'est Galaxy One. C'est magnifique tout ça. Hein. Waouh. Oh oui, c'est beau ça.
oui. La vue devait être à couper le souffle quand les premiers astronautes sont partis pour la Lune il y a une centaine d'années. Pour eux, la Terre avait grouillé de vie. Aujourd'hui, nous ne connaissons plus que la poussière. Si vous arrivez à reconnecter le réseau MPT, ça pourrait redonner l'espoir que l'humanité a perdu après la chute de la colonie lunaire. Nous pourrions nous relever. Oui. Construire, et plus important encore, commencer à penser à l'avenir. Ah, mais tu parles. Vous allez devoir trouver le transmetteur MPT dans la station spatiale Pearson. C'est de là que le signal énergétique était transmis à la Terre. C'était le dernier lien du réseau MPT avant la coupure générale. S'il existe des réponses, elles seront sur Pearson. Claire, nous devons nous réfugier dans l'abri. Ces vents sont de plus en plus violents. Compris. Fortuna One, la tempête va brouiller le contact radio. Vous n'allez pouvoir compter que sur vous-même. Pendant un moment, vous allez pouvoir... Ok. Oh, c'est beau ça. Objectif lune. Pa 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 pa. Oh, c'est beau. Et voilà. Ah ouais, quand même, ça a l'air super beau le jeu. Fortuna One, c'est quand même rigolo. Ok. Oh là là. Ok, ouais. Alors déjà, c'est bizarre. Ok, putain, faut être précis. Hein. Oh là là, tout juste, hein. Pouh. Gravement endommagé nos instruments, nous ne pouvons
avons détecté des fluctuations dans le réseau MPT. Si vous nous entendez, lorsque vous atteindrez le centre de contrôle, essayez de découvrir ce qui cloche avec la connexion MPT pour pouvoir la reconnecter. Bonne chance là-haut. Ah purée. Ah. Ok. Ah bah c'est la terre. Ouais, c'est en bas, c'est la pesanteur. Ouais, réactiver les systèmes. Voilà. En apesanteur. Ouais, où, je ne sais pas. Ah, c'est là. Oula. Ouais, d'accord. Ah, oui, d'accord. Ok, c'est bien à vous, mais bon. Ouais. Ok. Ah. Peut-être qu'il fallait mettre celui-là avant. Ouais, je crois. Ah, ça va être ça. Ok. Est-ce qu'il y en avait un autre là? Bon, faut pas que la porte elle se bloque. Voilà. Alimentation de secours. Système de survie connecté. Augmentation du niveau d'oxygène.
Alors, de toute façon, ouais, ok. Bah, ça va pas être. Oh là là. Ça va être quand même gigantesque. Ah, c'est là. Équipe d'expédition, vous me recevez? Bien reçu, contrôle. Tout okay. Est prêt. Paré à la descente. Le réseau MPT est toujours en panne. Attendez-vous à perdre l'éclairage pendant votre descente sur Copernicus. Merci pour l'avertissement, Pearson. N'oubliez pas, Sarah. L'oxygène sur la station est limité. Après votre arrivée, vous aurez 40 minutes pour trouver ce qui a causé la coupure. 40 minutes. Entendu, contrôle. Rolf, vous êtes prêt? Oui. Et ne vous en faites pas, contrôle. C'est sûrement un simple dysfonctionnement. Nous serons de retour en un rien de temps. Allons voir comment ils s'en sortent en bas. Alex, lance le protocole de descente. Tous les systèmes parés. Descente dans 3, 2, 1. Descente entamée. Bonne chance. Superbe. Par là. Attends, je vais déjà. Ah, on peut allumer quand même. Ok, l'ascenseur de l'amour. Ouais, qu'est-ce qu'on doit faire? J'en sais rien. Peut-être par là, non? Ah oui. Je sais pas, ça, j'avais cru le voir sur internet un petit peu. Alors, faut peut-être les fermer, mais je suis pas sûr. Puis c'est grand en plus, hein. Oh, c'est beau tout ça. Waouh. Elle tourne pas en plus. C'est pour ça qu'il y a un problème là. Bon. On va être là-dedans. J'espère. Oula. On va se mettre à l'endroit parce qu'on va rien comprendre.
Ok, all right. Oh. La terre. Ok. Ok, superbe. Yes, yes. Ah, tiens, il y a de la lumière là. Moonman, l'homme de la lune. Après Moonwalk. Oui, qu'il faut pas oublier que ça veut dire lune aussi. Ah, Moonwalk. Danse de la lune. Ok, là j'ai rien trouvé. On va être sûrement là. Alors, y a un code. Donc y a un code à trouver. Et voilà mon grand, on y est presque. On retouchera ta peinture plus tard, t'en fais pas. Prête? On a presque terminé de remettre l'ascenseur en état de marche. Oui, je rafistole juste un peu Alex avant de descendre. Vous apportez vraiment ce truc? Évidemment. On aura besoin de toute l'aide disponible. En plus, vous n'auriez jamais atteint le sas sans lui. La coupure générale de la MPT peut pas être qu'un simple dysfonctionnement. Tout est encore sombre là-dessous. La dernière fois qu'il y a eu une panne... Vous avez entendu le message de la Terre? Non. Non, rien du tout, non. Ils ne peuvent même plus envoyer de vaisseau jusqu'ici sans la MPT. C'est dingue, non? Nous sommes les seuls à pouvoir enquêter sur la coupure générale. Oh, Sarah, nous devons vous faire descendre à la surface au plus vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. D'accord, allons-y. Alors... Ah oui, c'est vrai qu'on peut allumer, putain. Alors là. Ah. 2, 5, 3, 9. Ah. Ok. Ah, et là, c'est la lune. Oh là 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 là. Ouais, la lune artificielle, là. On va dire comme ça. Oh. Ouais, en plus ça continue, hein. Incroyable. Alors là, tu es parti sur la lune, hein, pour jouer de la guitare. Hein, il y a des trucs plus importants, mais bon. On s'en fout complètement. C'est beau. C'est incroyable parce que tu...
Ok, on va s'arrêter là. Alors. 2, 5, 3, 9. C'est l'autre côté, ça. Ok. Oula. Ouh. Voilà, sûrement des trucs à fouiller. Ah. Ok. Il n'y a rien, quoi. Ouais. Ouais. Demain. Ok, Sarah Baker. Sarah Connor. Alors, faut te trouver. Puis, ouais. Y a rien, non? Faut fouiller partout. Hein. Ça c'est vraiment bien foutu ça. J'aime bien le style. Ça c'est pas mal ça. Oh. L'autre côté c'est pareil. Et là c'est la terre. Magnifique. Voilà. Un découpeur. Ah, qu'est-ce qu'il faut découper? Ah, d'accord. À mon avis, faut revenir derrière. Ah non. Oula. Le plasma. Ah, c'est pas mal ça.
Ok. Ah, il faut aller vite quand même. Je crois que c'est bon. Oh, super. Ah, tout ça. Ok, après je ne sais pas où il faut aller, mon pote. Là-bas, ouais. Bah tout va bien, tout va bien. Ah, faut aller jusqu'au bout. Ça va être juste tête quand même. Oh, purée, tout juste. Je suis en train d'assembler la section 3C. Bien reçu. Vous pensez qu'on en aura bientôt fini avec cette construction? J'ai eu peur. Je reçois des signaux bizarres provenant de la surface de la Lune. Vous voyez des quelque signaux chose? Bizarres. Alors déjà, ça c'est un truc qui m'intéresse. Toutes les lumières, elles s'éteignent. Rod, tout va bien? C'était quoi ça? Je vois plus rien, je suis dans le noir complet. Ça c'est on intéressant. On a perdu l'alimentation de la MPT, toute la station est en panne. Vous pouvez retrouver votre chemin jusqu'au SAS? Négatif, j'ai aucun visuel. D'accord, j'envoie Alex bloquer les portes du SAS. Vous le voyez? Je vois sa lampe torche. Je retourne au SAS. Qu'est-ce qui se passe? Tout est noir à la surface. Rolf, c'est pas le moment. Vous pensez arriver dans combien de temps? 10 secondes. Accélérez! Une fois le sas refermé, vous ne pourrez plus rentrer. Alex bloque la porte pour vous, mais il tiendra plus longtemps. Ok, déjà, c'est mystérieux. C'est mystérieux. Ah, déjà. Ok, ici, y a rien. Alors ça c'est d'accord. C'est la soute. On dirait des coussins péteurs. Regardez ce que ça peut aller.
Heureusement qu'il n'y a pas de temps là. Ah. La construction de la station spatiale, personne n'a jamais été achevé, d'accord. Bah ouais, ça se voit. Ok. Allez, bah de toute façon, je vais être terminé. Ça sera déjà pas mal. Oh, que c'est beau. Ok, parce que j'imagine que derrière on peut pas y aller. Ouais, bah non, ça m'étonnerait. Bon. Ça veut dire qu'il faut passer là-dedans quand même. Oh, un lecteur DVD. Blu-ray. Bon bah alors là... Peut-être que c'est la plaque... Alors attendez. Ah, quand même pas. Bon, de toute façon, je vais arrêter là. Là, c'est les toilettes, je suppose. Ouais, il y aura un truc comme ça. Bon, je coupe là. Merci. Et à bientôt. Ça, c'est intéressant. À plus.